Je souhaite que le meilleur gagne et que ce marathon, comme ça a toujours été le cas, soit encore une fête. C'est sur ces mots du maire Luc Atrokpo que la première édition du concours Marathon Bive Best de Cotonou a été lancée. La Kenyane Karen Cheptwek et son compatriote Koech Solomon ont remporté la médaille en or. En plus de cette médaille, ils sont repartis chez eux avec un chèque à hauteur d'1 million de francs CFA. Tout ceci pour avoir parcouru une distance de 42 km 195, respectivement 2h50 minutes 39 secondes et 2h35 minutes 30 secondes. Mais ils ne sont pas les seuls ayant compéti. S'en ont suivi les Béninois Benti Djerikou et Christ Vitali Gbeyonvi. Heureux, les participants à ce concours ont remercié les différents organisateurs à l'issue de la compétition. Par rapport à ce que nous avons vu ce matin, ça a été vraiment bon et que ça soit continuel. Il faut que le maire de Cotonou décide et que les femmes du marché, surtout en particulier nous, les marchés secondaires, nous voulons que bon, ça soit continuel avec des tenues de sport et non des tenues locaux. Je suis tellement contente de participer à ça. J'invite mes amis pour voir goûter. Goûter comment je pourrais être douce. Le président de l'ONG Bive Best, après avoir félicité tous les gagnants, a remercié tous ceux qui ont pris part à la compétition ainsi que les partenaires de l'ONG. Alors mes impressions sont très bonnes, elles sont excellentes. Après de longs mois de préparation, le comité d'organisation du marathon, du premier marathon de Cotonou, le marathon Bive Best de Cotonou, est content de, on va dire, cette belle délivrance. Nous avons eu une belle cérémonie de récompense qui couronne tous ces athlètes venus de loin et de près qui ont mérité ces différents prix, dont le premier, je rappelle, est d'1 million aussi bien pour les hommes que pour la femme. Je remercie tous les sacrifices des membres de l'ONG et de nos bénévoles. Je remercie toutes les structures au niveau sécuritaire, la police républicaine, la police municipale et toutes les autres structures, sapeurs-pompiers, Croix-Rouge et autres, qui ont travaillé ardemment avec nous sur plusieurs semaines pour cette belle réussite aujourd'hui. Je remercie les athlètes qui sont venus de loin, qui se sont inscrits tout seuls et qui ont participé à ce que nous puissions révéler Cotonou à travers ce beau marathon que nous avons eu au Bénin. Au terme de l'événement, le maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, s'est engagé à perpétuer ce concours pour qu'il soit parmi les meilleurs de la sous-région. Toutes les fois que vous avez des personnes aussi déterminées, nous avons l'obligation de les soutenir. C'est pour ça que je ne ferai pas un discours, mais je prendrai plutôt un engagement. Nous ferons en sorte que dans les 2 ans à venir, cet événement, à défaut d'être le meilleur de la sous-région, fasse partie des meilleurs de la sous-région. C'est d'ailleurs pour ça que pour la prochaine édition de 2023, tous les prix que nous venons de donner seront multipliés par 2. Il faut préciser que le maire de la ville de Cotonou a marché au cours de la compétition. Les handicapés ont aussi compéti. Preuve que le concours marathon Bive Best ne fait abstraction d'aucune catégorie de personnes. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Ce sera la 2e édition.